sécurité qui vient de présider son excellence, monsieur le Premier ministre. Que peut-on savoir, sur quoi apporter la réunion de tout à l'heure? Nous sommes tous d'abord sous le choc, le président de la République en premier, le Premier ministre, et nous tous, membres du gouvernement, y compris toutes les autorités réunies ici, et sûrement toute la communauté congolaise, de voir cet acte ignoble posé contre l'un de nos collègues il y a quelques mois, à savoir l'honorable Chérubin Okende-Senga. Le Premier ministre a voulu très rapidement réunir tous les responsables de services de sécurité pour faire le point de la situation, au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, parce qu'il faut faire diligence pour que une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services, et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers, des pays amis, pour qu'en toute transparence et très rapidement nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrive dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits notamment dans la commune de Mandal. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, nous avons fait une communication avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé, parce qu'il y a visiblement une volonté de semer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas, parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose, alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la Francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est tenue à Kinshasa comme partout. Est-ce que Lance, est-ce que vous souhaitez répondre à tout à toutes ces déclarations des acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui parlent d'un assassinat politique? Est-ce que le gouvernement voudrait répondre à toutes ces accusations? Écoutez, nous sommes le gouvernement et il ne serait pas de bon aloi. C'est aujourd'hui que notre collègue est décédé. L'heure est plutôt au recueillement. C'est dans cet ordre d'ailleurs que le président de la République a annulé, il devait faire une visite sur terrain, et le Premier ministre a réduit au maximum les activités qu'il devait faire ce jour, parce qu'il faut observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. On peut diverger sur le plan de la politique, mais ici, il s'agit d'une vie humaine. C'est aussi les lieux d'interpeller les uns les autres, que ce n'est pas le moment de venir vouloir faire... C'est un homme politique, évidemment, qui est décédé. Il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend. Mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations, alors qu'il y a une enquête qui a commencé au niveau de la police, et il y a une enquête pluridisciplinaire qui va commencer, que nous voulons transparente, que nous voulons ouvrir à des services étrangers, parce qu'il est question d'établir tous les faits vrais. Peut-être faudrait-il attendre la fin de l'enquête pour aller dans ces différentes conclusions. Nous sommes gouvernement, nous allons travailler à rassurer nos populations sur... An opponent deputy and former minister of the Democratic Republic of Congo, Chelubini Okende, part of the party of presidential candidate Moise Katumbi, was found dead Thursday in Kinshasa, his body riddled with bullets. It was reported learned from political and official sources. According to the entourage of Moise Katumbi, Mr. Okende went to the Constitutional Court on Wednesday and his relatives had not heard from him since. According to the same source, he was found dead Thursday morning in his car on Emeni Avenue in Kinshasa. The government learned with horror of the assassination of Chelubini Okende, said Minister of Communication and Government spokesman Patrick Muyaya on Twitter. While condemning this heinous act, they instructed all security services to diligently carry out a thorough investigation in order to shed light on this unacceptable act, he added.
This case comes as the political climate is very tense with the approach of the elections scheduled for the end of the year. Mr. Okende, 61 years old, resigned last December from his post as Minister of Transport along with two other pro-Katumbi ministers. Moise Katumbi had just announced his presidential candidacy scheduled for next December and the withdrawal of his party together with the PAL Republic from the ruling coalition. President Felix Tshisekedi, in power since 2019, will be a candidate for re-election. To date, more than a dozen opponents have announced their intention to stand against him. The main ones, including Moise Katumbi, consider that the electoral authorities are in the pay of power and are preparing biased elections that risk leading to fraud and chores. May he so rest in peace, and thank you so much for watching.